Coucou, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. J'espère que mes petites coccinettes vont bien. Et là, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je vous ai fait une précédente vidéo achat alimentaire et non alimentaire. Et je trouvais qu'il y avait une erreur au niveau des barquettes de saucisses que j'avais achetées, merguez et saucisses. Et puis non, j'ai vérifié, c'est bien ça, c'est qu'ils comptent le prix au kilo et après, ils nous mettent par rapport au poids de la barquette. Voilà, mais ils m'ont compté qu'une seule fois. Voilà. Il n'y a pas d'erreur possible dans ce qu'ils ont compté. Donc, du coup, ici, on va faire du DP. On a ma grande toile avec mes dalmatiens. Qui est commencé, on a les mésanges qui sont à finir, la femme girl à finir et le papillon bleu à finir. Et après j'ai trois autres grandes toiles, mais elles sont pas encore commencées. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. J'ai avancé et puis on a le petit carnet qu'on a commencé sur les précédentes vidéos de hier. Donc je vais vous montrer l'avancée de ma femme girl, parce que j'y ai travaillé hier soir. Voilà, j'ai travaillé dessus hier soir, il ne me reste plus grand chose à mettre. Voilà. Donc il me reste, la partie blanche ici, là, à faire. Ici, sur son bras. La partie blanche ici, puis toute sa chevelure et le reste de la partie bleue et noire qu'il y a à faire ici. J'en ai marre de les voir comme ça. Et à partir de maintenant, je commencerai qu'une toile à la fois, comme je faisais avant. Parce que commencer plusieurs toiles, j'ai dit c'est avantageux, ça m'en fait faire plusieurs en même temps. Mais ça me les fait utiliser, moi qui n'en ai pas beaucoup d'avance pour le moment. Ça fait que j'utilise, je commence toutes mes toiles. Et puis en fin de compte, j'avance à rien. Et puis ça m'oblige à piocher dans les toiles les dernières toiles achetées. Donc non, c'est bon, je finis les toiles que la première commande de Dark Five et de Iwi Zezal. Et après, quand cette première commande sera finie, je comparerai mes diamants ronds et carrés, voir s'il y a des couleurs qui correspondent à 100% avec ce que j'ai en réserve. Et si c'est pas le cas, je mettrai tout dans un pot. Et je les garderai pour faire des décorations, pour décorer des boîtes comme ça. Par exemple, bon, celle-ci, vous voyez, ce qui est marqué tricot, je peux coller des diamants couleur bleue comme ça ici. Là, je peux coller des diamants noirs, voilà, et du bleu. Ça me fait ma boîte serait décorée. J'en ai une autre avec le crochet comme ça. Donc, voilà. Donc là, on va travailler sur le petit carnet. On va essayer de l'avancer un peu plus. Et si on a le temps, on envisagera d'enchaîner sur autre chose. Je dis bien si on a le temps. Sinon, on fera sur une autre vidéo pour essayer d'avancer un peu plus la femme girl. Et après, il faudra avancer que je continue les mésanges et le papillon bleu parce que c'est... Et il y a la jumeau et son poulain, j'avais oublié. Donc ça, il faut que j'avance tout ça parce que ça me prend de la place sur mon bureau et puis ça traîne là-bas sur la caisse. Vous voyez, tous mes encours diamant painting sont là et en dessous, juste à côté là, ici, ce sont tous les diamants des toiles que j'ai acheté dernièrement qui sont pas encore que j'ai pas encore commencé. Voilà, j'ai mis toutes les toiles à plat et les sachets de diamants qui correspondent à chaque sachet de diamants correspond à une toile. Donc voilà, j'ai pas à me tromper. Là où il y avait les feuilles de route, j'ai pas besoin de marquer l'étiquette. Là où c'est des diamants ronds ou des diamants carrés et qu'il n'y a pas la feuille de route, j'ai mis une étiquette avec le nom de la toile dessus. J'ai marqué ce que c'était. Donc les petits diamants. Le toolkit de d'habitude. Ça, je m'en sers pas. Alors, ça, c'est la pochette du petit carnet. Ça, ce sont les diamants de mon dalmatien. Donc les petits toolkits, je vais les mettre là-dedans en attendant, parce que pour l'instant j'en ai déjà un plein carton. Hop.
Voilà, j'ai besoin de mes petits sachets de diamants là. Ceux-là ne sont pas ouverts. Oui. Ceux-là ici sont ouverts. Je les ai collés avec du scotch. C'est ceux qu'on a déjà utilisés. Donc, je vous tourne et je vous baisse sur ma toile. Voilà, mon séchoir, j'ai pas rentré mon linge. Il est sec. Le linge est sec dessus. Alors, ça, ça vient ici. Alors, là, on a les 7, les 8, les 6, les 9, les 5 et les 4. Et bon, on va faire les 4. On va les faire dans l'ordre, comme ça on pourra les ranger après. Donc voilà. Mon ciseau. Alors, je me suis trouvé des petits pots. Ça, c'est des petites... c'est les couvercles des boîtes de salade. J'ai acheté deux petites salades comme ça. Une pour moi, une pour mon fils, comme je prends d'habitude. Hein. Voilà, je vous ai fait la vidéo achat où je vous montre les salades que j'ai achetées aujourd'hui. Et sur le couvercle, pourquoi j'ai récupéré les couvercles, c'est pas pour faire quoi que ce soit. C'est parce que derrière, vous voyez, il y a des petites informations. Et il y en a certaines qui peuvent concerner les enfants. Et alors là, je suis en train de regarder... Donc ça, c'est sur les fromages. Mais ça, je vous lirai ça. Je vous ferai une petite... Je vais le... Alors là, il mettait sur la boîte, sur le couvercle que j'ai eu aujourd'hui. Alors... Ah ben, j'avais même pas remarqué, c'est marqué sur toutes les boîtes. Nous supprimons les couverts en plastique dès janvier 2021. C'est-à-dire que dedans, il y a une petite fourchette en plastique. Il y a un petit tube où ils mettent la vinaigrette. C'est un petit tube en plastique souple. Souple. C'est moitié souple, moitié rigide. Et c'est du plastique, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Mais tous les petits couverts en plastique, tout ce qui est couteau, fourchette dans les salades. Que ça soit celle-ci ou les autres, parce qu'ici on n'a que la fourchette, on n'a pas le couteau. Mais dans d'autres salades, vous avez la fourchette et le couteau, ou voilà. Et bien dans toutes les salades que vous aurez comme ça, avec les petits couverts en plastique, vous ne trouverez plus de couverts en plastique, parce qu'ils les enlèvent à partir de janvier 2021. Comme je vous dis, ils enlèvent tous les couverts en plastique des barquettes de salade. Donc les petites infos, je vous les lirai après. Ou alors je vais peut-être vous les lire maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de... Alors sur celle-ci, il me mettait que... Alors le cheese rolling est un événement anglais où les participants descendent d'une colline en courant derrière un fromage. Complètement débile. Mais bon. Alors, au Japon, le coq fait coquer coco. Alors, le moustique tigre a un rayon d'action de 150 mètres. Alors, après vous mettre, certaines espèces de bambou peuvent gagner jusqu'à 1 mètre par jour. Alors, le déménagement des halls de Paris à Rungis en 1969 s'est fait en une seule nuit avec 1500 camions. Vous voyez, puis vous mettre les petites photos en dessous. Voilà. Donc là, vous avez les camions. Et puis, le déménagement des halls de Paris à Rungis, en 1969, moi j'avais quoi J'avais 5 ans. J'avais 5 ans. Ben, c'est fait en une seule nuit avec 1500 camions. Là, ici, vous avez un petit symbole, un petit personnage. C'est une pomme de terre, ça ? Non, c'est une amande. C'est dans une zone de 320 000 hectares en Californie que se concentre 80% de la production mondiale d'amandes.
Alors, on peut retrouver plein de petites informations comme ça. Retrouvez-nous sur www.sodebo.com. Voilà, l'adresse email, l'adresse internet, elle est là. Voilà. Donc, c'est plein de petites astuces, plein de petits conseils, plein de petites informations comme ça. Alors, Sodebo fabrique 100% de ses cookies greasing, tartinables, marinades et vinaigrettes. Données internes 2018. Chaque année en Finlande, la ville de Sonkajärvi, je ne sais pas si je l'ai bien dit, organise le championnat du monde de course de portée d'épouse. Portée d'épouse, regardez. C'est la coccinelle, c'est une fourmi sur un hippopotame, hein, on va dire. Alors, tricoter diminue les pulsations cardiaques d'environ 11 battements par minute. Voilà. Sur le tricot. Ça, je vais le. Les cachalots dorment à la verticale. Donc, ils vous font voir un cachalot qui dort à la verticale, comme s'il était debout avec un coussin sous la tête. Il y a plus de moutons que d'humains en Irlande. Ici, ils nous mettent quoi? Dans la scène culte du miracle dans Pulp Fiction, on peut voir les impacts de balles dans le mur avant même que les coups ne soient tirés. Voilà, c'est ce qu'ils vous mettent ici. Ici, c'est 28% des Français chantent en prenant leur douche. Voilà. Et pour les enfants, ça concerne les animaux. Là, ça concerne les petits écureuils. Un écureuil ne stocke pas ses fruits à coque au même endroit. Les amandes quelque part, les noisettes ailleurs et les noix ailleurs encore. Voilà. C'est-à-dire que les noisettes, les amandes et les noix, ils mettent pas tout dans le même endroit, c'est caché dans trois endroits différents. Voilà. Voilà pour la petite info d'ici. Alors sur l'autre, il y a des infos que je ne vous ai pas lues, je crois. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, a rencontré 13 présidents américains, soit un quart des présidents que les USA ont connus. Tous les pains sandwichs Sodebo sont sans conservateur et sans huile de palme. Après le fromage, le moustique et tout ça, je vous l'ai lu. Voilà. Et l'autre que mon fils était acheté tout seul. Le reggae jamaïcain est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, vous voyez, vous avez des petites infos avec des petits symboles dessous. Donc ça, c'est celui que je viens de vous lire. Ensuite, avec le vélo, en France, 2% des trajets domicile-travail sont effectués à vélo. Ici. Ensuite, ici, un écureuil se souvient de l'endroit où il a caché ses réserves de fruits à coque pendant 2 ans. Voilà. Ils font des réserves de fruits à coque pendant 2 ans. Ils se souviennent où ils les ont stockés. Le cerveau des abeilles meurt 1 millimètre, mesure, pardon, 1 millimètre cube. Cube. Voilà. Le cerveau des abeilles mesure 1 millimètre cube. Cube, pardon, je vais y arriver. Alors, tous les produits Sodebo sont sans huile de palme et sans OGM. Ben ça, c'est nouveau parce que là, il ne le marquait pas. Ils ne l'ont pas marqué sur celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme info? Le premier contact entre des Français et des Japonais a eu lieu en 1615 à Saint-Tropez. Sur Terre, une journée dure 23 934 heures. Ben ça, c'est bon à savoir pour les enfants, vous voyez? Sur Terre, une journée dure 23 934 heures. Ça fait un sacré nombre d'heures pour une journée. Hein. Alors ensuite, 68% des parents trichent pour attribuer la fève de la galette à leurs enfants. Ça, c'est pas bien les parents, hein, de tricher pour cacher la fève dans la galette. Hein, on fait ça quand on fait la galette nous-mêmes, mais quand c'est une galette qui est toute prête, la fève, elle est déjà dedans. Donc voilà quoi. Faut pas tricher, c'est pas bien. Donc ça, je vais le mettre par là. Ma princesse Ruby, je ne sais pas où elle est.
Bébé Ruby! Voilà, donc on retourne sur notre petit diamant painting. Et on va faire, on a dit les quatre. Donc les quatre, il me faut mon ciseau, celui-ci. J'ai le hoquet depuis tout à l'heure. J'ai pas de courrier, pas de colis. J'ai pas vu passer la factrice, de toute façon, déjà. Donc, on est samedi, donc généralement, c'est pas la factrice, c'est le livreur de colis qui passe. Mais bon, j'ai rien. J'ai pas reçu ma petite. Alors, je pense qu'ils vont peut-être me la mettre. Les petits. Ils m'ont dit qu'ils me l'envoyaient aussitôt après. Donc, c'est bizarre que j'ai pas reçu mon petit colis. À moins qu'ils attendent de m'envoyer le prochain colis le 18 décembre pour que me les mettent dedans. J'espère. Bon, les quatre, il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que j'en ai pas beaucoup dans le sachet. Bébé Ruby! C'est une emmerdeuse, cette fille. Petite Ruby! Elle est en train de me faire des bêtises en couloir, mais bon. C'est bon, c'est bien mon voisin qui déménage à cause de sa chienne qui fait qu'aboyer. Les voisins ont porté plainte, c'est ce que je vous disais sur les pré ce que je vous en parle sur les précédentes vidéos. Et puis parce que bon ben apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il aurait des problèmes pour payer ses factures parce qu'il lui demande de payer les impôts, il paye pas ses impôts apparemment. Enfin bref, après entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a une différence, hein. Moi je m'en occupe pas, c'est pas mon problème. Alors, bon là, vous voyez, j'en ai un. Au lieu d'être gris, au lieu d'être rouge dessus, il est gris. Donc, il fait pas partie de cette boîte-là. Il est gris-vert. Je ne sais pas quelle couleur il est exactement. Je vais le mettre dans le petit plateau en bois là, avec les autres. Que ça va être en récupération. Voilà, mon calendrier en partie par terre. Et s'il lui tombe, le reste des affaires va tomber. Quand je vous dis que c'est. Moi, je suis bête, j'ai du double face. Je pourrais le coller avec du double face, mais bon. On va éviter de ne pas trop bouger le bureau. Voilà, on va poser nos petits quatre. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que vu la quantité de diamants. Voilà. Alors, on en a ici. Donc, j'espère que vous passez du bon temps à faire vos loisirs créatifs. J'ai regardé la vidéo de Soso Sophie, de Sophie, là où elle parle de ses achats Action. La pauvre, elle a été Action. Il y avait énormément de monde. Et puis, elle n'a pas trouvé tout ce qu'elle voulait se prendre. Il n'y avait rien qui, à part ce qu'elle voulait prendre, ben, il n'y a rien qui l'intéressait. Et elle disait qu'elle aussi, dans son Action, c'est comme ici, chez moi. Moi, les seules fois où je suis allée dans mon magasin Action, j'ai pas trouvé ce que je voulais au niveau papier pour le scrap. J'ai pas trouvé. L'école, bon, ben, ça, il y en a. Qu'est-ce que j'ai pas trouvé aussi? Ben, tout ce qui est les dies, les dies. Ça, j'en trouve pas. J'en trouvais pas. Même la fois où j'avais oublié où j'y suis allée, que j'avais oublié la carte bancaire, il n'y en avait pas non plus. Donc moi c'est pareil, hein, quand on y va, que ça soit. On y avait été la première fois un samedi, j'ai dit à mon chéri, bah, écoute, maintenant quand on ira un jour de semaine. Et le seul jour de semaine où on y a été le soir à 5h, on est arrivé là-bas vers 6h. À 6h, il y avait autant de monde que le samedi. Donc ça se bouscule dans les rayons. Ça passe à côté de vous, ça vous marche sur le pied ou ça vous bouscule. Ça vous demande même pas pardon. Donc je la comprends qu'elle ait plus envie d'aller au magasin Action, mais bon, faut pas qu'elle abandonne parce qu'il y a du monde. Faut y aller. Voilà, moi faudrait que j'y aille. Mais j'ai peur de pas trouver ce que je veux dans mon. Alors si je me déplace, que je demande à mon chéri de m'emmener et que je ressors dans le magasin parce que j'ai du magasin sans rien dans les mains parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais, alors là il va râler puis il voudra plus m'emmener du tout. Donc Donc j'ai été voir sur le site Hobby là pour les laines pour faire ma couverture. Et j'en ai pour 78 euros de pelote de laine. Parce que c'est 3 euros la pelote. Il y en a 26. Il y a 26 pelotes à acheter.
Donc ça me fait du 78 € plus la pelote à 14 € quelque chose pour faire le châle. J'en ai pour du 80 et quelques 90 et quelque chose. 91 je crois. 91 ou 96 €. Donc là c'est pas possible. Alors je les commanderai au compte-gouttes et puis je la ferai plus tard quoi. En plus, la pelote de laine qu'ils ont utilisée pour faire le patron du châle, ils l'ont plus en stock apparemment parce que je la trouve pas. Et puis pour la couverture, et ben dans la laine qui est prescrite, et ben il y a pas le, ils ont plus de noir, ils ont plus de blanc, donc ils l'ont aussi la même marque dans une autre qualité, je pense, mais où il y a toutes les couleurs, mais c'est il faut que je prenne la qualité qui est marquée sur le patron quoi. Donc on verra bien, on prendra une pelote de chaque. C'est vrai que la pelote pour faire le fond de la couverture, il me faut 17 pelotes, donc c'est ça qui prend beaucoup de place. Donc on les achètera 2 par 2 ou 3 par 3, et puis où je vais voir avec eux. Parce que quand on en achète à partir de 20 pelotes, au lieu d'être à 3 € la pelote, elle est à 1,86 €. Mais c'est pareil, ça me reste toujours entre 50 et 70 € le montant. Donc on attendra. On va faire l'autre là-bas. Là, j'ai mangé ma salade. Mon fils, il a mangé la sienne. Il venait me piquer mes œufs et il voulait me piquer mes petites moitiés d'œufs dans ma salade. Donc, j'en ai donné un quartier et puis je lui ai donné les petites bâtonnets au sésame. C'est du petit pain grillé en tube, en rouleau, quoi. Mais moi, ça, j'en mange un petit bout, après c'est vite sec. Ça fait pâteux dans la bouche et puis j'aime pas trop. Donc, ils sont bons. Hein. Et moi, tout ce qui est petit pain et puis tout ça avec des graines de sésame, des graines de sur le dessus, tout ce qui est arachide, maintenant, de toute façon, il va falloir que j'arrête d'en manger. On n'a pas de soleil aujourd'hui, de la pluie. C'est de la pluie. Il commençait à tomber des gouttes d'eau quand je suis ressortie du magasin Carrefour en attendant mon fils. Parce qu'il est venu m'aider pour porter mon panier. Donc dans le papillon bleu, j'ai pas de numéro 4. Il est venu me rejoindre en short et en manche courte, lui, avec un bonnet en laine sur la tête. Il est venu en courant, parce qu'il se dépêchait, il devait être il avait dû mettre son ordinateur, son jeu en pause sûrement. Moi j'étais couverte avec une écharpe, un foulard autour du cou, puis un manteau, j'avais froid aux mains, j'avais les mains gelées. Lui, mais bon, il est quand même venu avec le sac, il a pris le sac qui était le plus lourd, et puis vu que mon sac était plein, que je pouvais pas le porter... Il m'a ramené un autre sac pour que je puisse se séparer, que ça soit moins lourd pour lui aussi. Et puis il a pris le plus lourd et moi j'ai pris le reste. Voilà. Donc dans le peu que j'ai acheté, j'en ai eu pour 57 € quelques centimes à Carrefour. Donc le budget, il est moitié mort. Donc là, il me reste encore pour 100 €. Enfin, pas tout à fait 100 € parce que normalement, c'est 150 € de course de budget. Mais bon. Les 115 € que je voulais lui mettre sur son compte, il a été cool. Il m'a dit non, maman, gardez pour acheter à manger. Donc je vais lui mettre. D'habitude, je lui mets 23 €. Là, je vais lui mettre un petit peu plus. Et puis après, il y a la prime de Noël qui va arriver. Donc il aura sa prime de Noël, sa part de prime de Noël entièrement. Parce que ça, c'est pour lui. Moi, j'ai déjà mis 70 € de côté, plus ce que je vais mettre ce mois-ci là. D'ailleurs, il va falloir que je fasse les virements. Que je vais mettre les sous sur son compte. Voilà pour mes fleurs. Ben, il ne va pas rester grand-chose. Hein. On
en diamant va pas rester grand chose, franchement. C'est pour l'aider à financer son permis de conduire. Comme j'ai dit, demande des sous à ton père, hein. Lui, il n'a pas de facture à payer, hein. À part s'il est en location dans une maison, il va y avoir le loyer à payer. Le loyer et puis l'EDF. C'est tout parce que lui, il n'a pas de téléphone fixe. Et puis sa recharge de son téléphone portable, parce que je pense qu'il continue à acheter des recharges. Donc, il y a le gasoil pour sa voiture. Le terrain, il n'a pas besoin de payer de location parce qu'il l'a acheté. Dans son mobil, il n'y a pas d'électricité ni d'eau. Il est radin, de toute façon. Moi, il m'a jamais rien offert. Hein. La première année qu'on s'est connus, peut-être de temps en temps, mais c'est très rare. Ça, s'il y a un truc que j'ai horreur, c'est que les gens soient aussi radins que ça. Il est tellement radin qu'il ne fait même pas de cadeau de Noël ni d'anniversaire pour son fils depuis que son fils est né. Il n'a pratiquement jamais rien eu en cadeau, à part moi quand je lui demandais des sous pour le Noël du petit, mais c'est tout. Sinon, si moi je lui demande rien, eh ben, il donne rien. Alors, comme moi, c'est plus moi qui l'appelle pour lui demander des sous pour son fils, pour l'anniversaire et le Noël, et ben du coup, ben, mon fils, il a rien de la part de son père, quoi. C'est mon fils qui l'appelle, qui appelle son père directement maintenant quand il a besoin. Mais quand je dis à mon fils, demande 800 euros pour une paire de chaussures, parce que bon, c'est vrai que pour lui, les chaussures, c'est cher, et bien son père lui envoie que 50 euros. Il s'imagine qu'avec 50 euros, on peut avoir une paire de chaussures, quoi. Surtout avec la pointure que mon fils, il fait du 42, 43, non, 43, je sais plus, parce qu'il grandit, hein. Alors le gamin, il grandit, sa pointure, sa taille, ben, il grandit au niveau taille de vêtements, ben, ça grandit aussi. Et puis les chaussures, ben, la pointure, elle s'agrandit aussi, hein, puisque son pied grandit aussi. Ben, son père, je vois pas ça comme ça, quoi. Il s'imagine, lui, qu'avec 50 euros, je vais nourrir et acheter des vêtements pour mon fils, quoi. Je dis mon fils parce que, bon, il a un père, mais son père, c'est comme s'il était invisible, alors... Là, il s'est engagé, il lui a proposé de l'aider financièrement pour son permis. Comme j'ai dit à mon fils, bah, je dis vas-y, demande-lui l'argent tous les mois. Tu lui dis tous les mois, papa, faut que tu me verses telle somme pour financer mon permis. Moi, je peux pas. Moi, je lui donne un petit peu de sous pour sa facture téléphone et puis ses cotisations de sa carte bancaire. Je lui mets un petit peu plus pour quand il veut prendre le bus pour aller voir sa chérie, s'acheter un petit peu à manger là-bas avec elle. Mais c'est tout, quoi. Et encore, c'est elle qui paye un petit peu de temps en temps la bouffe. Alors, les numéros 5. Parce que, mine de rien, un adolescent de 19 ans, ça mange, hein. Et puis, en vêtements et en chaussures, il faut fournir derrière, hein. Quoique lui, il abîme pas trop ses chaussures. Puis là, en ce moment, avec problème de Covid-19, là, on sort pratiquement pas. Donc, que pour aller faire les courses ou pour quand on veut aller à Vernon voir sa chérie. Quand il va tout seul, quand moi je vais avec lui, parce que quand il fait beau, je vais avec lui. Quand il faut aller à Verneuil aussi, quand on a des papiers à faire. Mais bon, c'est tout. Généralement, on ne sort pas. Celle-là, je vais la mettre par là. Parce que j'ai vu que j'avais des diamants qui ne correspondaient pas à la couleur dans tous les sachets, normalement. Mais bon. Voilà, on va faire les 5. C'est le gros bazar, les filles, sur mon plan de travail, hein.
Ça va pas tarder à biper sur l'ordi, vous inquiétez pas, c'est la notification comme quoi ma vidéo sur mon logiciel est finie, la programmation est finie. Et j'aurai plus qu'à la mettre sur YouTube. Donc après celle-ci, il m'en reste encore 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en restera encore 7 à mettre. Ben oui, j'ai fait plein de vidéos à l'avance et puis maintenant ben, je suis en retard pour les mettre en ligne. Parce qu'en plus l'ordinateur ça bug, ça marche au radar, au ralenti on va dire. Merci à Delphine aussi pour être venue rejoindre ma chaîne, ma nouvelle chaîne. Donc ça me fait 4 abonnés. Donc ça monte, mais bon, ça monte pas bien vite comme sur l'autre. Hein. Et l'autre, je suis toujours à 48 abonnés. Bon, je l'ai déconnectée, mais elle est toujours. Elle existe toujours. Hein. Mais n'allez pas regarder les vidéos sur l'autre parce que je ne mets plus de vidéos sur l'autre pour le moment. Et j'ai créé une nouvelle chaîne parce que bah, du coup c'était à cause parce que je pouvais pas lire vos messages. Et en fin de compte, bah, sur la nouvelle chaîne, ça fait pareil. Je pouvais pas lire les messages. Là maintenant, oui, mais il y en a une, j'ai 4 messages et je peux en lire que 2. Donc il va falloir que j'aille voir pourquoi ça me fait ça. Normalement, s'il y a 4 messages, je devrais pouvoir lire les 4 messages, mais c'est pas possible. Donc. Il va être trop joli. Oui, vous voyez ce que je fais, les filles? Sont très jolies. Et puis ils brillent super bien là. Après, c'est vrai que j'ai la lumière de mon anneau. Voilà, il est quoi? Il est même pas. Il est quelle heure? Il est juste 3h20. Enfin, 3h18, 15h18. Et le temps, il est gris de chez gris. On a l'impression qu'il est 5h de l'après-midi. Lundi, il va falloir que je voie le concierge là, pour lui dire là, qu'il faut qu'il vienne prendre des photos pour mon lavabo de salle de bain et des tuyaux en dessous. L'entreprise ne va pas se déplacer sinon. Moi, l'évier, il était comme ça. Il ne fonctionnait pas très bien déjà d'avance. Donc, comme je vous ai dit, j'ai avancé ma toile La Femme Girl en regardant des vidéos sur en faisant mes jeux sur ma tablette et en regardant des vidéos. Donc là, j'ai mis 70 euros de côté, ça va m'aider. Là, je vais remettre au maximum 25 euros, peut-être, je ne sais pas, ça va dépendre combien il reste dessous. Et suivant ce qui reste, je voudrais que mon chéri m'emmène à Action. De toute façon, il me faut des. Je voudrais me racheter 2 autres petits tapis pour égoutter la vaisselle. Là. Ils étaient à 1,99 € la dernière fois. Je voudrais me racheter ça, des bombes de désodorisant pour la maison. Parce qu'on sera là-bas, je sais qu'ils en font, donc je les prendrai là-bas. Et puis que je regarde ce qu'ils ont en scrap et puis en diamant painting. Je voudrais tester les diamants painting de chez Action. Voilà, donc là.
vais mettre ça comme ça. Parce que j'ai besoin d'enveloppes, j'ai besoin de papier d'imprimante. Il faut que j'aille voir s'ils ont une plastifieuse. Que je sais que pendant les temps, j'en avais une, elle était à 14 euros. Ça me permettrait de plastifier mes cartes à gratter et mes petits marque-pages. La magie de Noël. Là, c'est des 6 et des 8. Mes voisins, l'autre soir, ils étaient en train de crier après la petite Minette. Je comprenais pas pourquoi miauler puis qu'à crier. Et si, c'est parce que il va chercher des gros paquets de pubs parce qu'il distribue les pubs dans les boîtes aux lettres. Et la Minette, et ben les sacs de pub, les pubs sont dans des sacs dans leur salle à manger. Ben la Minette, elle monte dedans et elle fait ses griffes dessus. Parce qu'il faut pas qu'ils oublient que les chats sont attirés par le papier et par le carton. Moi, ils y touchent pas aux pubs. J'ai un paquet de pubs là qu'il y avait dans ma boîte aux lettres avant-hier. Elles sont sur mon meuble là où il y a mes classeurs, mais non, ils y touchent pas. Ils préfèrent faire leurs griffes, moi, les chatons ici sur les cartons. Donc là, on n'entendra plus la chienne aboyer, ce sera super. Apparemment, il quitte son appartement, il a donné son préavis, le voisin du dessus, et il s'en va chez ses parents. Il retourne chez ses parents. Par contre, son père n'accepte pas les chiens chez lui, donc je sais pas comment il va faire. Il ira squatter chez les copains. Sa fille, elle est adorable, elle est belle comme tout, sa fille. Elle a bien profité depuis que je la fais, depuis qu'elle est là. Parce que moi, je l'ai vue, elle était toute petite, hein. Enfin toute petite, elle n'était pas bien grande. Hein. Maintenant, elle m'arrive à hauteur de l'épaule, la gamine, pratiquement. Hein. Elle grandit vite. Hein. Mon papa est assez grand aussi, donc. Oh, elle est mignonne. Là, si déménage, je la verrai plus. Donc lui, il s'en va. S'il met personne pour l'instant, ça sera bien. On sera plus que une, deux, trois. On sera plus que quatre locataires dans l'immeuble. Et moi, le jour où je partirai, ben voilà, il n'y aura plus personne. Enfin, dans ma colonne, moi de mon côté, il n'y aura plus que moi. Hein. Il n'y a plus que moi. Si lui s'en va, de mon côté à moi, il n'y a que moi comme locataire. Les trois étages au-dessus, les trois appartements du dessus sont libres. Et moi, le jour où je vais partir, eh bien, il n'y aura plus personne dans cette colonne-là. Sur le palier d'en face, là, sur la. Au-dessus de chez ma voisine d'en face, il y a ma voisine d'en face au rez-de-chaussée et les deux autres locataires au-dessus. Le dernier étage, il est libre aussi. L'appartement du dernier, il est libre. Alors, D5. Parler des gens quand ils peuvent déménager parce qu'ils ont trouvé une maison, ils payent beaucoup moins cher et puis ils sont tranquilles. Et puis là, avec le Covid-19, là, ils sont pas prêts de louer leurs appartements. Hein. Déjà lui avec sa chienne, il va falloir refaire tout parce qu'il va y avoir l'odeur de la chienne et tout. Parce qu'on a beau passer l'aspirateur, passer la serpillière, les puces elles sont toujours là, l'odeur des animaux reste dans l'appartement.
Moi, je sais que je vais refaire les peintures et tout, mais quand je vais être partie, ils vont tout refaire l'appartement à neuf, du sol au plafond. Alors ici. Oui, dans les magasins Action, comme je disais, ben Sophie, elle a raison. Elle a trouvé pratiquement rien, elle a pratiquement rien trouvé aujourd'hui, mais moi, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais bon, dans mon Action, c'est pareil. Hein. C'est pareil, ça se bouscule, les gens vous bousculent. Voilà pour les 5. J'étais en train de chercher mon sachet. Donc à part ça, ben pas de courrier dans la boîte aux lettres. J'ai pas vu passer la factrice de toute façon déjà. Et puis ben, il y avait du monde, toutes les caisses étaient pleines à Carrefour. Donc là maintenant, nous dans notre magasin Carrefour, je sais pas si chez vous c'est pareil, on est obligé de prendre un ticket avant de rentrer quand on rentre avant de rentrer dans le magasin là où il y a les rayons de légumes et tout ça là où il y a les rayons, il faut prendre un ticket juste à l'entrée. Il n'y a pas de ticket, la caissière vous encaisse pas vos articles. C'est obligatoire. C'est pour compter le nombre de personnes qu'ils ont dans une journée qui viennent. Et puis comme elle me disait la caissière avant-hier, elle me dit bah oui, mais les gens ici ils font n'importe quoi. Là, je vois les caisses, elles étaient toutes pleines. Et ben, il n'y en avait aucun qui était derrière la ligne orange. Ils étaient pratiquement tous collés les uns sur les autres. On a des petites bandes oranges autocollantes où il faut se mettre sur cette. Faut respecter la distance d'un mètre. Ben, les gens, ils sont à quoi? À ça. Ben, si vous voulez, ceux qui ont des chariots, ben, entre chaque client, il n'y a que la distance, la longueur du chariot qui sépare les deux personnes. C'est tout. C'est quand on a les petits paniers à roulettes, il y a juste la distance du petit panier à roulettes qui sépare. Les gens, ils sont pratiquement tous à touche-touche. Ça respecte rien. Donc, c'est une mesure d'hygiène pour par rapport au Covid-19, mais les gens respectent pas la mesure d'hygiène. Donc, alors D6, j'en ai pas dans celui-là. J'en ai en haut là-bas. Je comprends pas que les gens respectent pas. Ils se plaignent parce qu'ils en ont marre de cette situation-là, mais ils font rien. Et là, j'ai vu sur Internet, là, sur YouTube, là, au niveau du vaccin, ça sera pas avant l'année prochaine. Ils pensent pas mettre le vaccin en route avant le. Ils pensent pas commencer à faire la vaccination des gens avant avril l'année prochaine. Donc, on a le temps de crever 1000 fois. On attend de mourir 1000 fois. Hein. Comprends pas. Ils s'étonnent, ils se plaignent qu'il y a trop de morts à cause de cette saloperie de virus. Et puis eux, ils prennent tout leur temps pour faire un vaccin. En plus, moi, j'ai pas mon vaccin pour la grippe. Il faudra que je voie au médecin qui me le marque. Moi, si je chope la grippe avec mes problèmes de thyroïde et d'asthme, là, avec les. Et ben là, je suis bonne pour l'hôpital.
J'ai été déjà à l'hôpital pour une grippe intestinale et je sais ce que ça fait. J'espère que je vais pas choper la grippe. Parce qu'en plus, on a un médecin, il est bon à rien. Vous lui dites que vous avez mal quelque part, il vous prescrit même pas de. Ah ben, vous prenez juste un comprimé d'afalgan et puis de la pommade Nifflugel, vous mettez sur. Voilà, mais il vous fait même pas de radio pour savoir si vous avez le pouce cassé ou fracturé ou quoi que ce soit, quoi. Il n'y a aucune radio à l'appui, donc. Là, je vais lui dire, moi, il faut absolument que je fasse faire une radio pour savoir ce que j'ai au pouce. Parce que moi, depuis que je lui ai dit, hein, l'autre fois, je dis depuis que vous m'aviez, vous, la dernière fois que je suis venue, que je vous ai parlé que j'avais mal au pouce, vous m'aviez dit que c'était une entorse, que ça devait passer, et ben ça passe pas du tout, j'ai toujours mal. Donc. J'aurais été avec mon ancien médecin, il m'aurait tout de suite fait une radio pour savoir si c'était cassé ou fracturé. Ben mon médecin, ça fait 2 ans maintenant, je crois qu'il est à la retraite. Ça fera 2 ans cette année qu'il est à la retraite. Ça passe vite, mine de rien. J'ai de la couture à faire, moi qui n'aime pas trop la couture, mais bon. Faut que je mette mon tissu là que j'ai lavé, là, que je mettais par terre là, ou sur mon canapé, c'est bon. Les deux grands doubles rideaux qui venaient de tissu qui venaient de chez ma grand-mère, c'est bon, j'ai pu, ils sont secs, donc je vais voir pour faire des doubles rideaux ici, à la hauteur de la fenêtre là, pour pouvoir les accrocher avec mes rideaux blancs. Comme ça, ben, l'été, quand il fait soleil, ben, au lieu de fermer le volet, ben, je tire juste un petit peu le rideau. Les gens ne voient pas s'il y a de la lumière chez moi à travers le rideau. Et... Donc je vais faire ça prochainement, pas à l'heure qu'il est parce qu'on n'y voit rien. Et puis là, j'ai voulu, vous savez, mon petit t-shirt à manches longues, la colle roulée, la rayure blanc et bleu, là, la rayure marine. Et ben mes chats m'ont fait des trous aux manches, des trous larges comme ça. J'ai plus qu'à le raccommoder. Ils ont dû. Ben ça doit être Minette. Elle a dû voir un fil qui pendait. Et elle a tiré dessus. Elle m'a tout déchiré. Il y a un trou. Je le mets régulièrement parce que je suis bien dedans. Je le mets la journée. Si je veux le remettre, bon, je le lave le soir. Le lendemain, il est sec. Parce que je le mets à sécher sur le radiateur. Là, je peux pas le mettre. Il y a des trous aux manches. Et celui-là aussi, il a des trous aux bras. Au niveau de la manche. Mais celui-là, il était quand je l'ai récupéré à la benne. Parce que l'autre, il était tout neuf. Ça, c'est Mimine, hein? Lequel des deux, Mimine, je dis Mimine, mais bon, ça peut être Mars aussi, mais généralement, Mars, il touche pas au linge. Ça m'étonne de lui. Alors, des 6, j'en ai plus nulle part. On va pouvoir les ranger. Donc, j'ai de la couture pour mes rideaux à faire. Et puis, j'ai de la couture pour recoudre les trous sur les manches de mes t-shirts, là. Un petit bout de scotch. Hop. Donc comme ça on n'entendra plus la chienne aboyer. Là il est là donc on l'entend pas. Et quand il va être parti, parce que du coup, le reste de ses meubles, il vient les chercher avec, avec des copains à lui, sûrement, avec une remorque. Il met tout chez ses parents.
Après, il fait ce qu'il veut, c'est son problème. Moi, du moment que j'entends plus la chienne au-dessus, j'espère qu'ils vont pas mettre une famille avec des gamins, parce que alors là, si j'entends du bruit, ça va gueuler. Je serai moins sympa, je serai moins patiente. Que chez lui, il a une amie qui vient chez lui avec ses gamins. Les gamins, ils courent dans l'appartement avec les chaussures. Et c'est pendant des heures et des heures que vous entendez les gamins courir. De toute façon, moi, je m'en fous. Après, je suis pas faite pour rester là. Donc, mais par contre, s'il y a des gens avec des enfants, s'il y a trop de bruit, moi, je vais leur dire. Les gamins, vous leur mettez des chaussons. Hein, et puis, vous évitez qu'ils courent parce que. Alors, là, on a dit que c'était les 7. Alors, les 7, il y en a là. C'est un joli bleu. Donc là, les diamants spéciaux, même s'il y en a dans mes anciennes toiles qui ont les mêmes numéros, les mêmes couleurs que ceux-là, je ne les mélange pas. Enlever mes baskets, j'ai mal aux pieds parce que j'ai pas enlevé mes chaussures depuis tout à l'heure. Là, l'autre, l'assistante sociale, son assistante sociale m'a pas appelé. Je vais attendre jusqu'à lundi, mardi. Si mardi elle a toujours pas rappelé, je la rappellerai puis je leur demander ce qu'elle compte faire pour ma valise. Moi, ma valise, je l'ai prêtée et j'aimerais bien la récupérer alors que je lui ai prêté une valise alors qu'elle, elle en avait. Je lui ai dit, mais bon, vous voulez une petite valise et ben, moi, j'aimerais bien récupérer ma petite valise quoi. Parce que si elles font rien, moi, je sais quoi faire. Moi, je rentre chez elle avec un serrurier. Et c'est elle qui paiera la facture du serrurier. Voilà. Ça, je vais lui dire, la santé sociale. C'est soit vous faites le nécessaire, soit je fais intervenir un serrurier. Et c'est elle qui paiera la facture. Alors, les 7. Non, celui-là, on n'en a pas. Après, là, il y en a là, là, et c'est tout. Alors. Moi, je veux bien être gentil, hein, mais il faut arrêter de me prendre pour une bille, quoi. Je suis pas illettrée non plus, hein, puis je suis pas débile mentale. Puis elle est bipolaire, d'après ce que sa mère m'a dit. Sa mère m'a dit qu'elle était bipolaire. Qu'est-ce qu'elle fait dans un appartement? Elle devrait être dans un hôpital. Elle est bipolaire comme moi. Là, j'ai retrouvé la robe qu'elle m'avait donnée. Elle dit qu'elle n'a pas demandé à ce que je lui redonne ses affaires. Ben, la robe, je vais lui redonner. Lui remettre dans sa boîte aux lettres. Je vais lui mettre un mot comme quoi elle attend de jour si la santé sociale ne fait rien. Et ben, moi, j'agirai. Je vais lui dire à la santé sociale, vous voulez rien faire? Et ben, moi, je vais faire le nécessaire. Et puis, si elle vient se plaindre comme quoi je lui ai tapé sur qu'elle a pris des coups, ben, elle viendra pas s'étonner. C'est pas moi qui lui taperai dessus déjà. J'aurais trop peur de me salir les mains.
Il est beau ce papillon là. Je vais prévenir la centrale sociale que si je récupère pas ma valise, je la récupérerai par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Et c'est elle qui paiera la facture. Je ferai intervenir l'huissier de justice et puis le serrurier. Moi, je vais lui dire, hein, la centrale sociale, vous allez la payer la note. Hein. Pas moi qui la paierai. Elle va la payer la note. Déjà 50 minutes. On va essayer de finir. Il reste plus que deux couleurs à mettre. Ah, il est parti où? Il va être magnifique. Je l'avais mis de côté pour me le faire en toile diamant painting. J'ai pas. Si je le trouve en diamant spéciaux, en toile diamant painting, bah, dès que je vais le trouver, je vais me le prendre parce qu'il est magnifique comme tout. Très joli. Là, j'en ai encore là. Donc lui, je l'ai pas fait entre les deux. Je l'ai pas fait en dehors de la caméra, ce que je voulais faire. Le faire entièrement avec vous. Donc celui-là, ça sera la partie 3, la partie 2. Et on fera la partie 3 dans la prochaine vidéo. On fera peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas. Je vais voir. Il pleut. Moi, c'est même pas la peine que je sorte là parce que de toute façon, mes baskets, il faudrait que. Alors, quand vous avez des baskets comme moi, en toile comme moi, et puis que l'eau passe à travers la toile, j'ai eu une astuce sur YouTube. Ils mettent de la bougie, ils frottent de la bougie dessus, sur toute la toile. Et rien que la cire de la bougie, ça imperméabilise la toile de votre chaussure. Alors, on finit les 7. Donc, je vais tester sur mes deux paires, on verra bien.
mal à l'estomac là. De toute façon, avec, quand il y a le temps comme ça, quand il fait ce temps-là, j'ai des migraines, je suis pas très, je suis pas bien. On finit les numéros 7. Qu'est-ce que ça va être calme quand il va partir? Oh, on n'entendra plus la chienne. Ah, j'ai oublié un 3 ici. J'ai oublié des 3. Ils sont cachés par les perles blanches. Bon, c'est pas grave, on les fera après. Je les ferai après. Là, j'ai encore les 9 à faire et les 8. Ils veulent pas descendre, celui-là. Décidément. Hop. Hop là. C'est pour ça que les gens, comme disait Sophie, c'est pour ça que ben elle préfère tout ce qui est scrap et tout ça. Parce qu'elle pourrait prendre à Action, ben elle achète comme elle fait comme moi, elle achète sur internet. Et c'est plus pratique parce que pour ça vous êtes sûr de recevoir votre colis. Vous êtes sûr d'avoir ce que vous avez acheté. Moi c'est la machine que je voudrais, mais la machine pour faire pour les dice. Voilà, donc là, on est à combien de vidéos? 1h03. Donc, je vais arrêter la vidéo là et je vais reprendre sur une prochaine vidéo parce que je voudrais qu'on le finisse aujourd'hui. Donc, je vous prends la suite de cette vidéo. Je vous prends sur la suite sur la prochaine vidéo. Je vais y arriver. Voilà, je vous laisse dans cette position. Je vous dis à plus tard. On se retrouve sur une prochaine vidéo. En attendant, on n'oublie pas de cliquer sur s'abonner, de cliquer sur la petite cloche et de cliquer sur le mot tout. On n'oublie pas de mettre un petit cœur, un petit pouce bleu, un petit partage et un petit commentaire. Voilà. Donc sur ce, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et on se retrouve prochainement pour la suite de cette vidéo. Bisous, bisous!